l'Union européenne prétend investir 1 000 milliards au service, en faveur, ou quels que soient les termes qu'on utilise du climat, 1 000 milliards dont chaque centime sortiront évidemment de la poche des contribuables européens. Pendant 40 jours, vous avez la possibilité de vous préabonner à prix cassé à notre futur site payant via la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de la vidéo ou d'utiliser la barre de recherche se trouvant en haut à droite du site. Je vous conseille de visionner notre présentation animée d'abord. Pour seulement 25 euros, payable en une fois, vous avez accès de manière illimitée au contenu du site pendant un an, valeur 60 euros. Vous pouvez également vous préabonner pour 1 mois, 3 mois ou 6 mois au prix de 4, 12 et 21 euros. Vous pouvez également devenir VIP, c'est-à-dire en plus de votre abonnement d'un an, vous avez la possibilité d'assister à toutes nos émissions en tant que public. Merci et bonne vidéo. Bonjour Monsieur Godfridi. Bonjour Madame. C'est bien comme cela qu'on prononce. Oui. Très bien. Vous avez 47 ans, vous êtes libéral, vous êtes docteur en philosophie de la Sorbonne. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, c'est juste. Et je pense que vous êtes aussi diplômé en droit. C'est bien voilà. Cela. Exact. Alors, vous êtes connu dans les médias, mais peut-être que ceux et celles qui nous regardent ne vous connaissent pas encore. Alors, vous êtes notamment l'auteur de « L'écologisme, nouveau totalitarisme ». Est-ce qu'avant de parler de votre livre, vous pouvez, pour monsieur et madame tout le monde, vous présenter en deux mots ? Bon, donc j'ai effectivement un doctorat en philosophie, en théorie du droit, pour être précis, de la Sorbonne. Et j'ai des diplômes de juriste et de fiscaliste que j'ai fait donc aux universités de Louvain et de Bruxelles. Et j'ai publié une série d'essais sur différents sujets, essentiellement de nature, je dirais, épistémologique et politique au sens large. D'accord, très bien. Parlons du titre de ce livre qui est très évocateur. Pour vous, l'écologie aujourd'hui, ça relève d'une idéologie religieuse et totalitaire ? Mais comme la distinction que je fais dans l'essai dont vous me parlez est entre l'écologie, qui est une science finalement de la nature, de l'environnement, et l'écologisme, qui est le versant politique de cette théorie et qui est effectivement une idéologie à 100%. Ça, c'est une considération qui n'est pas polémique, dans le sens où on doit faire rationnellement la distinction entre l'écologie comme science et l'écologisme comme idéologie politique. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous reprochez à l'écologisme d'aujourd'hui ? Ce n'est pas un cahier de doléances que j'ai fait. Ce que je propose, c'est une analyse de l'écologisme, encore une fois, comme idéologie politique, et j'essaie d'en montrer le caractère essentiellement totalitaire. Dès lors que l'on considère qu'effectivement les émissions de gaz à effet de serre de l'homme sont le problème le plus fondamental de l'humanité, eh bien naturellement tout ce qui peut aller dans le sens d'une réduction de ces émissions est bon à prendre, et on en vient de fil en aiguille, mais en réalité de manière assez claire, rapide et immédiate, à vouloir brimer et brider l'homme dans chacun des compartiments de son activité. Le fait de se chauffer est problématique, le fait de se déplacer en avion ou même simplement en voiture est problématique, le fait de manger de la viande est problématique, le fait de faire des enfants devient quasiment une sorte de crime contre l'environnement. Vous souriez, mais il faut se rendre compte qu'il y a des publications académiques qui sont faites et qui visent à montrer que le fait de mettre un enfant au monde engendre un équivalent, X équivalent, je crois que de mémoire que c'est 56 tonnes de CO2. Et que donc, par conséquent, faire un enfant de moins, alors qu'on en a déjà plus ou moins un enfant par femme en Occident, ce qui signifie en réalité ne plus faire d'enfant du tout, est une sorte de progrès dans cette idéologie authentiquement totalitaire, selon moi, qui est effectivement l'écologisme. D'accord. Si on revient d'un point de vue factuel, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un réchauffement climatique ? Et si oui, est-ce que c'est l'homme qui génère ce réchauffement climatique ?
Vous avez rappelé mes compétences. Parmi ces compétences, il n'y a pas celle de physicien, a fortiori de physicien du climat. Donc moi, je n'ai pas d'avis tranché sur le fond d'un débat scientifique dont les termes objectivement m'échappent. Maintenant, j'ai un certain nombre d'amis scientifiques et qui le sont à un niveau particulièrement, je dirais, élevé. Des gens comme Richard Lindzen aux États-Unis, etc. C'est pas des petits amateurs qui travaillent dans leur laboratoire installé dans leur cabane de jardin et qui m'ont montré, qui explique qu'il y a eu effectivement des périodes de réchauffement dans l'histoire, y compris dans l'histoire récente, à l'époque où, enfin, avant l'ère industrielle, donc avant que l'homme ne commence à émettre du CO2. Et donc, d'après ce que ces données indiquent, on est visiblement ici maintenant dans une phase de léger réchauffement. Attention, d'après le GIEC, donc pas d'après les amis dont je parle, d'après le GIEC, donc la matrice de l'écologisme contemporain, on parle d'une augmentation de température de l'ordre de 1 degré depuis le début de l'ère industrielle. Donc ça me paraît effectivement indubitable, si tant est que ces mesures globales aient un sens. Alors, est-ce que c'est aussi grave qu'on le prétend? Est-ce que cela justifie, je ne sais pas, est-ce que cela justifie de mettre en place une sorte d'état totalitaire pour y remédier? Et à mon avis, d'ailleurs, il n'y aura aucun remède qui serait procuré par le fait totalitaire. Je ne le crois pas. Est-ce que Greta Thunberg, qui a été élue par le Time personnalité de l'année 2019, est-ce qu'elle est le symbole pour vous de ce que vous appelez ce totalitarisme écologiste? C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment élue, hein, dans le sens où elle est désignée de façon arbitraire par la rédaction du Time, comme ils ont désigné homme de l'année dans le passé un certain nombre de dirigeants. Enfin, on ne va pas commencer à citer des noms qui fâcheraient, mais je veux dire, en soi, le fait de cette désignation renseigne l'importance médiatique, je dirais, de Greta Thunberg, mais n'est évidemment une preuve de rien, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan politique, ni à aucun point de vue. Ce que je trouve intéressant dans le phénomène que vous relevez à juste titre de Greta Thunberg, c'est qu'on a affaire là à une personne qui est arrivée sur la scène médiatique alors qu'elle n'avait pas encore 16 ans, elle avait 15 ans, donc c'était en toute rigueur terminologique une enfant, et on a fait porter à cet enfant une série de discours extrêmes, et je me souviens en particulier, je crois qu'elle avait 16 ans, qu'elle venait d'avoir 16 ans à ce moment-là, une conversation donnée en public dans laquelle mademoiselle Thunberg, sauf si elle est mariée, enfin je ne sais pas, il faudra me renseigner, donc madame ou mademoiselle Thunberg, eh bien se permettait de taxer un certain nombre de gens identifiés, ou en tout cas identifiables, de criminels contre l'humanité. Donc dès lors que vous avez des parents sans scrupules, qui sont des extrémistes de gauche, dès lors que vous avez des ONG qui n'ont pas davantage de scrupules et qui font tenir un discours aussi horriblement extrémiste à une enfant, il me semble qu'on a là effectivement quelque chose de problématique et de terriblement révélateur de l'extrémisme, je dirais, sous-jacent à l'ensemble de cette démarche idéologique. Est-ce que c'est pas un peu condescendant envers la jeunesse de dire de Greta Thunberg qu'elle est trop jeune pour avoir un discours éminemment politique ? Vous savez, moi j'ai eu 17 ans, et 16 et 15, et je m'en souviens, ça ne remonte pas il y a tellement longtemps, j'avais déjà un certain nombre d'idées politiques, mais il ne me serait pas venu à l'idée à 15 ans de monter sur un plateau de télévision et de commencer à décréter que tel ou tel était un criminel contre l'humanité. Et si on m'avait demandé de le faire, je pense qu'effectivement, j'aurais refusé. Donc il n'y a là aucune condescendance. Moi je ne considère pas que l'âge soit nécessairement, parce qu'on a 80 ans qu'on est sage, il y a des gens qui ont 80 ans ne sont pas très sages, je ne considère pas non plus que le fait d'avoir 15 ans soit un critère de quoi que ce soit. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour parler d'un certain nombre de sujets, qu'il s'agisse de l'idéologie politique, de l'écologisme ou a fortiori de la physique du climat, eh bien, il est préférable d'avoir fait des études. Alors qu'ici, nous avons une enfant qui a quitté l'école, sous la pression probablement de son entourage, parce que l'école ne l'a absolument pas écartée en raison du trouble dont elle souffre, qui est de l'ordre du spectre autistique, disent les médecins. Elle n'a pas été écartée de l'école. Elle a elle-même décidé volontairement de quitter l'école. Donc on a affaire ici à une enfant qui n'a pas terminé ses études secondaires et qui prétend effectivement porter des jugements aussi péremptoires, aussi criminels dans leur nature presque judiciaire que ceux dont on donnait à l'instant l'exemple. Donc le problème n'est absolument pas sa jeunesse, il est la créature médiatique qui a été fabriquée par un entourage effectivement sans scrupules et qui, encore une fois, non seulement n'a pas l'âge, je dirais, de porter des jugements informés sur ces différentes thématiques, mais à qui on fait proférer, je dirais, des jugements qui sont particulièrement extrémistes.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre opinion sur le discours de Trump qui, me semble-t-il, vous m'arrêtez si je me trompe, mais rejoint un peu votre constat, non? Écoutez, je ne sais pas si Donald Trump fait partie de mes lecteurs. Si je l'apprenais, j'en serais bien évidemment fort aise, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Écoutez, je dirais la posture du gouvernement fédéral américain actuel sur ces questions de climat et d'énergie, en réalité, qui leur sont directement liées, répond à un certain nombre de motifs qui leur sont propres. Si vous voulez, quel est il y a deux, en Occident en tout cas, il y a deux grandes attitudes par rapport à ces questions de climat et d'énergie qui sont en présence. D'une part, il y a la position des Européens qui nous explique qu'on va sortir à la fois des énergies fossiles et du nucléaire et qu'on va remplacer tout ça par les énergies dites renouvelables, c'est-à-dire le vent et le soleil. Et d'autre part, vous avez la position américaine qui est un pari sur la continuation du progrès technologique et de la prospérité, et qui considère que s'il y a à un moment déterminé une réduction de réduction, pas à zéro comme le veulent un certain nombre d'idéologues européens, mais une réduction rationnelle et raisonnable des émissions de CO2, eh bien on y parviendra beaucoup mieux dans un contexte de prospérité et de progrès technologique qu'en prétendant arrêter finalement le fonctionnement de nos sociétés dans ses éléments les plus vitaux. L'énergie, j'attire votre attention sur ce point, l'énergie, c'est pas comme une pièce rapportée dans nos sociétés. L'énergie, elle est partout. Lorsqu'il y a des millions de ménages aujourd'hui en Europe qui se rationnent dans leur consommation d'énergie parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer leurs factures d'énergie, on voit que effectivement ces questions ne sont pas des questions marginales, elles sont au cœur de nos sociétés et finalement au cœur de nos existences. Ce que vous appelez les extrémistes de gauche, est-ce qu'il ne faut pas partir du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que donc dans l'hypothèse où ils auraient raison et que l'humain génère un réchauffement climatique important, il vaut mieux prendre d'ores et déjà aujourd'hui des mesures en faveur d'un climat avec des énergies renouvelables plutôt que de dire bon, il y a des climato-sceptiques, c'est plus complexe que ça. Je crois d'ailleurs qu'il faut sortir de ces étiquettes. Donc moi, je vous l'ai expliqué, j'ai montré que le GIEC, par exemple, est une organisation qui se prétend scientifique alors qu'elle est intégralement politique. Je crois qu'il faut sortir de ces étiquettes. Moi, l'étiquette climato-sceptique, elle ne me parle pas. Pour moi, ça ne veut rien dire. Je parle du GIEC en tant qu'organisation. J'en fais une critique qui est au cœur de mes compétences. Je montre qu'elle a une énorme imposture et je n'ai pas besoin de cette étiquette climato-ceci ou climato-cela qui ne me concerne pas. Alors, c'est assez intéressant. La question, toutes vos questions sont formidablement intéressantes, mais celle-ci en particulier, parce que si on regarde la carte des émissions de CO2, on se rend compte que l'Europe, je parle des émissions humaines de CO2, parce que ceux qui nous écoutent seraient déjà intéressés de connaître que les émissions humaines de CO2 dans le grand total, en tenant compte de la nature, c'est 4%. Donc, tous nos débats portent sur 4% des émissions annuelles, si l'on veut, mondiales de CO2, dont 96% est émis en réalité par la nature. Dans ces 4%, vous avez 10% qui sont émis par l'Europe et 30% qui sont émis par la Chine. Or, dans toute l'espèce d'énormes organisations faites de traités, d'initiatives au niveau européen, au niveau national, etc., ce qui est prévu, c'est une réduction drastique des émissions de CO2, 10% du total de l'Europe, dans le même temps qu'au moins jusqu'en 2030, la Chine peut continuer non seulement à émettre autant de CO2 qu'elle en émet maintenant, mais à faire croître ses émissions de CO2. Et dans le même temps, l'accord de Paris prévoit l'obligation pour l'Occident, mais donc comme les Américains sont sortis maintenant pour la seule Europe, de verser 100 milliards de dollars par an au reste du monde pour faciliter leur transition énergétique. Alors, même d'un point de vue, indépendamment des questions de climat, d'idéologie, de GIEC, etc., l'idée que la région du monde, l'Europe, qui émet 10%, peut faire n'importe quoi et que cela va rien changer, non seulement aux émissions mondiales, mais à la croissance de ces émissions mondiales. Et donc, en dernière analyse, à la question du climat, est une évidence. C'est un truisme. Donc, quand vous avez l'Union européenne qui décide encore aujourd'hui, en plus de tout ce qui a déjà été fait en Europe, parce qu'en Europe, on a déjà fait beaucoup, d'investir, l'Union européenne prétend investir 1 000 milliards au service, en faveur, ou quels que soient les termes qu'on utilise du climat, 1 000 milliards dont chaque centime sortiront évidemment de la poche des contribuables européens, parce que l'Union européenne ne fabrique pas de valeur. Donc c'est 1 000 milliards en dernière analyse d'impôts supplémentaires, et que cela va changer quoi que ce soit, non seulement aux émissions de CO2, mais à leur croissance dans le monde, et donc aux questions de climat, c'est une évidence. Donc on est là dans une espèce de pensée magique, de démarche qui n'a plus aucun rapport. Parce que quel est le pari en fait des élites de l'Europe? Ils disent, nous allons donner l'exemple. Mais la Chine est un régime totalitaire. Donc, à supposer même que l'Europe cesse d'exister du jour au lendemain, n'émette plus du tout de CO2, les Chinois, régime totalitaire, continueront à n'en faire qu'à leur tête. Au moment où on explique
aux mères de famille, aux gens ordinaires, aux Européens comme vous et moi, que nous devons virtuellement renoncer à tout, cesser de nous chauffer, nous déplacer, prendre l'avion, etc. Les Chinois construisent des centaines de centrales au charbon. Et donc, il y a là, plus qu'un malentendu, il y a là un gigantesque déséquilibre qui a été créé entre l'Europe, finalement, et le reste du monde par les architectes de l'accord de Paris. Et je dis bien l'Europe, puisque maintenant, les Américains en sont sortis et les Américains ne reviendront jamais dans le cadre de l'accord de Paris, n'en déplaise à M. Macron. Très bien, on va clore, si vous voulez bien, cette question pour terminer cet entretien sur deux, trois petites questions d'ordre politique. Oui. Parce que c'est intéressant, vous êtes un des rares en Belgique à vous dire libéral, au sens premier, me semble-t-il, du terme. Est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce que c'est être libéral aujourd'hui? Ce qui singularise, je crois, le libéral, d'ailleurs, dans toute l'histoire des idées, c'est de reconnaître une sorte de primat à la valeur de la liberté individuelle sur toute autre considération. De même que l'égalité réelle occupe la place d'un soleil, je dirais, dans la pensée socialiste, dans ses différentes versions ou dans ses différentes déclinaisons, l'idée de la liberté de choix, l'ampleur de la liberté de choix à tous les moments de l'existence est celle qui fonde la pensée libérale. Au-delà de ça, il y a dans la pensée libérale l'idée que la liberté est la valeur morale suprême, mais qu'elle est également dans l'histoire de l'Occident le principal moteur de son développement, le principal moteur de son génie, que ce soit dans le domaine technologique évidemment, mais également artistique et finalement dans tous les domaines. Je pense que c'est comme ça qu'on peut, enfin c'est une des définitions possibles de la posture libérale. Est-ce que être libéral, c'est donc être de droite? Écoutez, ça c'est un débat. J'ai un ami qui s'appelle Thierry Hatzcrift, qui est un libéral, qui ne se reconnaît pas pour autant dans un certain nombre de postures conservateurs. C'est le conservatrice. C'est le grand débat de savoir si quand on est libéral, on doit plutôt incliner du côté du conservatisme ou pas. Si on regarde la tradition anglo-saxonne, les libéraux, dans le sens du free market sur le plan économique, sont généralement associés à une forme de conservatisme dans d'autres domaines, notamment moraux, je dirais, ou culturels au sens large. Si on prend un auteur comme Friedrich Hayek, il se définissait comme n'étant pas conservateur. Donc il y a un certain nombre de positions. Ce que je crois, c'est que dans le monde qui nous caractérise aujourd'hui, un libéral qui respecte les conditions culturelles et institutionnelles, finalement, dont est née la liberté, est forcément porté vers une manière de respect à l'égard de ces traditions face à une gauche qui semble vouloir effectivement tout détruire et ne plus admettre aucun obstacle sur sa route. Étant une journaliste qui s'assume de gauche, je voudrais attirer votre attention. Je voudrais attirer votre attention sur ceci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'au-delà des responsabilités individuelles chez l'être humain, il existe aussi ce que Pascal appelait une deuxième identité, à savoir la culture, et donc que notre environnement social joue. Je vous donne deux exemples et je vous laisse rebondir là-dessus. Si par exemple Mohamed, qui habite à Molenbeek, cherche du travail et que son potentiel futur employeur ne l'emploie pas parce qu'il a des préjugés sur une personne d'origine maghrébine, ou à l'inverse, une jeune femme de 13 ou 14 ans qui serait violée par son beau-père et qui, de ce fait-là, rencontre plus de difficultés dans la vie. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas que la responsabilité individuelle et que le déterminisme biologique et génétique qui fonde l'être humain? C'est en fait plusieurs questions dans une seule question et je ne vais pas non plus répondre pendant une demi-heure à chacun des aspects. Mais disons, pour partir peut-être de l'exemple concret que vous prenez de Mohamed à Bruxelles qui ne serait pas embauché par une entreprise parce qu'il s'appelle Mohamed. D'abord, je constate quand même que Mohamed est probablement un des prénoms les plus répandus de nos jours à Bruxelles et que donc quelqu'un qui s'appelle Mohamed n'appartient pas véritablement à ce qu'on peut appeler une infime minorité. Par ailleurs, l'entrepreneur, moi je suis aussi entrepreneur par ailleurs, j'écris des livres et j'ai créé un certain nombre d'entreprises dans ma vie. L'entrepreneur qui va écarter une personne qui correspond au profil qu'il recherche parce qu'il s'appelle Mohamed ou Saïd est stupide. Et très honnêtement, des entrepreneurs, j'en connais beaucoup en Europe et j'en connais aucun qui ferait ce genre de choix. Et je vais vous donner un exemple concret. J'ai engagé dans ma carrière un grand nombre de gens qui sont compétents en sciences exactes.
justement physicien, mathématicien, chimiste, etc. Le meilleur physicien, le meilleur que j'ai eu de tous les temps, son prénom c'est Saïd. Je ne vais pas donner son nom de famille pour ne pas. Voilà, je ne peux pas l'exposer lui personne, mais il s'appelle Saïd. Je l'ai embauché il y a 15 ans maintenant. Il est de loin le meilleur physicien au sens, la physique au sens dur, pas au sens technologique, le meilleur physicien que j'ai jamais eu. Quel sens y aurait-il à ne pas faire appel à ses services parce qu'il s'appelle Saïd? Aucun. Alors, je ne vous dis pas, quand les gens embauchent, ils utilisent toute une série de critères subjectifs. Alors, je ne dis pas que dans un certain nombre de cas, le critère que vous évoquez ne va pas jouer. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a qui n'aiment pas les hommes, il y en a qui n'aiment pas les femmes, il y en a qui n'aiment pas les blancs, il y en a qui n'aiment pas ceci, il y en a qui n'aiment pas cela. En attendant, l'entrepreneur et celui qui embauche et qui fait son métier, il regarde la compétence. Il regarde la compétence. Alors, faut-il pour autant maintenant sortir un énorme arsenal législatif avec des tests et des pièges pour vérifier que tel ou tel critère n'est pas mis en avant? Je pense que ça n'a aucun sens. Comment voulez-vous rentrer dans le fort intérieur du responsable des ressources humaines qui procède à une embauche? Donc, le fait qu'il y ait dans la société un certain nombre de discriminations, comme on dit, le fait qu'il y ait un certain nombre de choix subjectifs que l'on peut déplorer, c'est une évidence. Est-ce pour autant le rôle de l'État, avec d'énormes sabots, de s'immiscer dans chacune des relations professionnelles ou privées de la vie? Je ne le crois pas. Vous ne répondez pas à la question sur le fond, à savoir est-ce que la société génère aussi le chemin de vie d'un individu? Mais ça, c'est une évidence. D'accord. Mais ça, c'est un postulat de gauche. Vous êtes d'accord? Ça, c'est ni de droite ni de gauche. C'est une réalité. C'est une vérité rationnelle. Nous naissons de telle ou telle lignée, de tel ou tel parent, dans tel ou tel lieu. Et donc, il y a énormément de choses qui sont... On a un patrimoine génétique. Il y a énormément de choses qui sont données, effectivement, à la naissance. Ce n'est pas un postulat de gauche. C'est une vérité. Après, et au-delà d'un certain point dans nos existences, nous en devenons, toutes choses étant égales par ailleurs, parce que ça reste toujours relativement maître de nos existences. Vous savez, moi, ce que je ne supporte pas, c'est quelqu'un qui a 40 ans, qui est né ici, qui n'a jamais connu la faim, par exemple, et qui prend une posture comme s'il vivait la pire des époques de l'histoire des mecs. Il faut savoir aussi un peu relativiser. Une de mes deux grand-mères a eu 17 ans en 1940. Donc, sa jeunesse, c'était l'occupation. Là, les gens ne mangeaient pas leur faim. Les gens avaient peur. Les femmes en particulier avaient peur de se faire prendre, tuer, violer, etc., etc. Alors, il faut pouvoir relativiser les choses. Quand vous avez un certain nombre de gens qui vous parlent comme si nous vivions dans la pire époque de l'histoire de l'humanité, je pense que c'est exactement le contraire qui est vrai. Je pense que nous vivons une des époques avec toutes les difficultés qui restent. Vous savez, si vous regardez les chiffres, le pourcentage de l'humanité de nos jours qui souffre de famine, il est 10%. Il n'a jamais été aussi peu élevé dans toute l'histoire de l'humanité, alors même que nous n'avons jamais été aussi nombreux. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait. C'est très, très loin d'être le cas. Mais je crois que si l'on veut critiquer un certain nombre de choses dans l'époque, dans le régime, dans l'organisation, etc., etc., il faut aussi pouvoir regarder d'où nous venons et ce qui a été amélioré, je dirais, depuis la nuit des temps. Une dernière question. Vous deviez donner un nom dans le spectre politique belge de quelqu'un qui répond à vos idées et à vos idéaux, vous donneriez quel nom? Bart De Wever. Je pense que la personnalité qui se rapproche le plus de la tradition burkéenne, qui est un libéral conservateur en réalité, aujourd'hui dans le spectre politique belge, c'est Bart De Wever. Il s'en revendique à Edmund Burke et je crois qu'effectivement il le fait à juste titre. Alors évidemment, il évolue lui-même dans un contexte qui est formaté par l'existence de l'Union européenne, par toutes les contraintes que nous connaissons et qui sont inhérentes, je dirais, au fonctionnement de la Belgique. Mais je crois effectivement que c'est une figure, dans ce contexte très particulier, authentiquement burkéenne. Et cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Je n'imaginais pas cette réponse. Mais du coup, que répondez-vous à d'aucuns qui disent que Bart De Wever est d'extrême droite ou populiste? Encore une fois, ces deux questions séparées, extrême droite. Donc, je pense que ceux qui taxent Bart De Wever d'extrême droite ne méritent pas qu'on leur réponde. Parce qu'on ne peut pas lancer ce genre d'accusation sans avoir un minimum d'éléments matériels. Et ce n'est pas en allant exhumer des photos à gauche ou à droite qu'on peut effectivement... Voilà. Bart De Wever maintenant a exercé des responsabilités au plus haut niveau depuis des années. Donc je pense que s'il était un fasciste caché, cela se serait vu tôt ou tard. Alors quant à savoir s'il est populiste, ce terme populiste est nettement plus polysémique et un peu dangereux. Parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants. Bon, on va prendre un exemple encore plus polémique qui devrait vous plaire, dont vous parliez d'ailleurs tout à l'heure, c'est Donald Trump. Voilà, quelqu'un, un dirigeant populiste, d'une certaine façon,
il est populiste, il est extrêmement populaire aussi. Donc quand il organise un meeting, c'était le cas il y a 24 heures, et vous avez 175 000 personnes qui achètent un ticket pour se rendre à un meeting politique d'un septuagénaire, c'est tout de même un phénomène assez remarquable. Donc il a une vraie popularité, je dirais, dans le peuple américain. Est-ce que pour autant, on ne peut pas constater que ce président américain, cette figure assez étonnante de la politique américaine, respecte rigoureusement, religieusement les préceptes de l'ordre constitutionnel américain? D'ailleurs, il n'a pas le choix, parce que même s'il voulait s'en écarter, la presse lui tomberait dessus, le parti démocrate, la majorité démocrate à la Chambre ne le lui permettrait pas. Mais donc, vous avez cette possibilité tout de même d'être à la fois très populaire, voire parfois populiste dans certaines tournures et expressions, et en même temps d'être un dirigeant qui respecte parfaitement les règles de l'ordre constitutionnel démocratique au sein duquel il évolue, et ça ne me paraît pas, dans ce cas-là, quelque chose de négatif. Je pense d'ailleurs qu'une figure comme Trump est beaucoup plus populaire que ne l'est aujourd'hui quelqu'un comme Pardoe. Très bien, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, Aurore.